Je sais pas s'il y a quelqu'un qui est en live, mais si tu m'entends, je suis juste en train de changer la batterie de secours. De l'appareil photo. Et il faut que j'attrape la déco. Et ça risque de me tomber sur la gueule éventuellement. Bon. J'ai du bleu. Oh, salut. Je suis en train de préparer d'attraper les cartons avec les décos de Noël bleu parce que je vais faire bleu ici et coucou Eyo. Je suis en train d'attraper les affaires du coup comme je dis parce que je vais faire la mangathèque en bleu, ma chambre elle sera en rouge et blanc et la salle à manger sera en bois, tout court. Je suis contente, on est déjà deux. Bon. Et éventuellement ça, c'était quoi du coup? Aïe. Les garlandes, ok. On va faire avec ça pour l'instant. Hein. J'ai juste failli me faire assommer sur les... D'ailleurs, est-ce qu'on m'entend bien cette fois-ci? Parce qu'on m'avait dit au dernier live finalement qu'on m'entendait pas suffisamment. Et j'ai failli me faire assommer par et ce carton-là et celui-là qui est très très lourd. L'autre non, parce que c'est des guirlandes, mais celui-là il est très très lourd. Et il faut que je pense à activer la vidéo pour YouTube. Oui, c'est bon. Cool, ça c'est cool. J'ai augmenté le son aussi du téléphone parce que j'avais pas pensé. Je parle peut-être aussi un peu plus fort du coup. Coucou Clem! Alors, j'ai quoi dans quoi? Le problème des cartons de décoration de Noël, c'est que tu te rappelles plus ce qu'il y a entre chaque année. Comme nous, on a pour en bas, en fait, on a bleu et argent, soit rouge et blanc, soit bois, on change chaque année. Donc, tu te rappelles plus de ce que tu as. Mais là, franchement, de ce que je vois, je pense que je vais pouvoir faire des trucs sympas dans ici, parce que l'an dernier, moi, j'avais fait rouge et blanc. Mais le problème, c'est que je me dis qu'elle est ultra chargée déjà mon étagère avec tous les trucs de... ici. On marque déjà. Clem. Elle est toujours là, elle se balade. Elle change tout le temps de place, mais elle se balade, elle est là. Est-ce que je me fous un joyeux Noël alors que je déteste Noël? On va dire que non, hein, on va le garder de côté. Oui, un joli mug offert par une jolie personne. Dans les deux sens du terme. Ça m'énerve trop d'avoir mis autant de trucs là. On va. Allez, Yugi, tu pars. Et toi aussi, tu pars. Toi, tu retournes voir ta copine du côté du. Au grand air. Et toi, tu vas te remettre ici éventuellement. Non, il y a trop de monde.
Et c'est surtout le socle de Mikasa qui fait chier en fait. Je déteste Noël, mais j'aime bien la déco et encore. Ça dépend quoi? J'adore juste ce qui brille en fait. Genre ça. Honnêtement, j'aime que des trucs comme ça qui brillent et tout ça. Mais Noël en soi, ah, je préfère vomir que... problème, c'est aussi que j'ai beaucoup de petites merdes autour. On va mettre. Et on verra après si j'aime ou pas. Ah, mes petits nounours! Oh, je les adore ceux-là. Ça vient de Centre-Accord, je crois. J'adore ce genre de truc là où t'as les... Alors je vais les mettre en hauteur pour éviter que je fasse de la merde et que je les fasse tomber. J'aurais pu faire un truc drôle, mais bon. Oh, ils ont jauni avec les années. Trop drôle. Alors qu'ils sont dans des cartons, qui sont bien fermés et tout, mais ils ont jauni. Ils sont mignons. Le panda va faire de la luge. Ouais. Bah attends, tu sais quoi? Bon, son cul. Ah non, il a un trop gros cul. Et comme moi, il a un trop gros cul. Ça rentre pas. Bonhomme de... Voilà, ça j'aime, par exemple, ça brille. C'est tout ce que j'aime dans Noël. Qui suit ma main. On va répartir et on va mettre un bonhomme de neige. Je crois que j'avais des mini chapeaux. Oh, ça va pas rentrer sur la... Non, ça va pas rentrer sur la tête de Luffy. Oh, dommage, sinon j'aurais mis un chapeau sur la tête de Luffy. Oh, le bonnet bien attendu. Ouais. Il est tout droit, il tient bien. On peut même pas le replier en fait. C'est pas très très droit. Ah oui, d'accord, c'est que leur socle. What? Ok, tout va bien. Le truc en fait, je sais pas si on verra très très bien. Avec les années, la colle c'est commence à se décoller. Attends, je vais le montrer aussi pour YouTube au cas où. Le truc à force se décolle et donc c'est qui fait qu'il est plus droit. Waouh! Ah la blague, ouais, du coup il veut plus droit mon copain, mon bonhomme de neige. Remarque, il est pas droit, il est normal, il est tordu, il est comme moi. Ouais, voilà. Il est tordu, il est comme moi. Du petit tambourin et un petit cadeau. Le petit cadeau, on va le mettre ici. Ce truc que j'ai peur, c'est que ça fasse des reflets très très moches. Avec YouTube, pourquoi il me fait ça? Hop. Pourquoi il me fait ça? Yo, appareil photo, s'il te plaît. Ah, il me fait peur. Oh, le mien aussi, il est tordu. L'esprit. Mon esprit aussi. Tu bouges pas, toi. Ah. Un petit tabouret. Pas tabouret, comment? Ah, putain. Un petit tam-tam, on va dire. À côté de Venti, ça peut être pas mal. Ça peut être drôle. À côté du petit panda ici. On va le mettre à l'endroit, le truc, le sapinou. C'est mon porte-clés là de Emma qui me gêne. On va le ranger pour l'instant. Wow, j'avais oublié celle-là. Elle est canon. Ah, ça a rebaissé ma luminosité ici. Merde. Hop. Voilà. Ça, je vais le mettre.
idée, mais bon. Hop. Tada. Ouais. Ça, façon, on a fait. Hein. J'ai un gros nœud. Est-ce que je le mets? Est-ce que ça peut faire stylé, un gros nœud ici, là, par là? Je sais pas du tout. Ensuite, ah oui, en plus c'est que des trucs à suspendre que j'ai ici. Des étoiles, des boules de Noël, des glands. Fait boule de disco, ouais. Regarde, j'ai des glands. Oui, elle a une. Enfin, ah, les peluches Kiki, d'accord, oui. On les voit pas beaucoup. Attends. Voilà. Et il y a un truc en. Comment dire? Ah, j'ai perdu le mot. Ben, ils sont sur l'étagère des yaoi, donc ça colle avec. Mais j'en voudrais une encore plus grande parce que là, je, voilà, squishies. Je dois avoir la 10 et la 20 cm, je pense, parce que vu que ça rentre dans mon étagère, ça doit être forcément une 20 cm. Donc j'aimerais bien une de 30. Ça va l'entraîner dans sa chute. Ouais, je pense que ça va l'entraîner dans sa chute. Et voilà. Je peux faire un truc. Non. Beaucoup en taille? Non. Ou beaucoup de peluches. Après, je peux en mettre une ici, hein, parce que ici, c'est yaoi. Enfin, c'est tout ce qui était fou. Yaoi, yuri. Yaoi en fond, yuri devant. Donc. J'ai eu aussi. Ça fait beaucoup, là, non? Moche. Un cadeau noir comme on aime. Si ça peut être sympa, mais j'ai Miline qui me gêne. Oh bah tu sais quoi, Miline, tu vas dégager. Hop. Et comme ça, le panda, je lui offre un cadeau pour l'instant, parce que de toute façon le panda il va pas rester très longtemps. Ils vont dégager dans pas longtemps. Ça, non, c'est pas pour moi, c'est pas à moi. Et je n'aime pas de glands, les glands, là. Quoi, j'ai une idée, du coup, une pensée 18 plus. Je pense que c'est parce qu'on a Clem dans le live, parce que j'ai une pensée 18 plus qui est pas très. Voilà. Ça va être sympa les petits trucs qui pendouillent comme ça. Mais je sais pas en fait. Du coup, je pense que vous voyez pas ce que je fais là vu qu'il y a le texte. Ça, c'est la bonne question. Ouais, le truc que j'avais pensé, c'était tout simplement à mettre les glands au niveau de la figurine de Luffy.
guirlande faite par moi-même quand j'étais petit en papier. Elle est mignonne, hein? Elle a de la gueule. Elle a encore la gueule quand même. Elle n'est pas trop déchiquetée. Je la mettrais bien, genre un truc comme ça, tu vois. Je sais même pas si vous voyez vraiment. Ah non, il y a mes bras dégueulasses. Je vais dire un truc comme ça, en gros. Attends, je vais me mettre là pour que vous voyez mieux, peut-être. Voilà. Ça fait un truc comme ça. Je sais même pas si vous voyez, donc bon. Au pire, je vais la poser juste comme ça. On va dire que. Voilà, on va dire que. Les petits badges de Monsieur Panda. Hop là. Et bien sûr, elle me fait le focus ailleurs après. Les badges de Monsieur Panda, on va les mettre là. Même si, à mon avis, ils vont refléter avec la caméra. Non. La caméra qui me fait encore un focus ailleurs. T'aimes bien faire focus ailleurs, toi. Tu m'aimes pas. Hein. Voilà. Le petit badge de Monsieur Panda. Oh, rip. Oh, toutes mes condoléances. Il y a un gland qui a mouru. Je peux pas le. Oh, j'ai réussi à enlever le machin. On va enlever le petit capuchon. Voilà. Yep. Et on va enlever le fil de fer. Voilà, comme ça il n'y a plus que deux glands. Ça, ça fait trop près. Oh, ben là. Comme ça, on est à l'extrême. C'est bien. Voilà. Tu peux éviter de danser, s'il te plaît? Je voudrais juste savoir à quoi ça ressemble. Voilà. Impeccable. Ça fera l'affaire. Rip. Ouais. Rip. Alors, quoi d'autre ici? J'ai un autre cadeau noir. Pas inspiré, le pire c'est que j'aime pas en fait décorer en bas, genre à partir d'ici, à en dessous de ça, parce qu'en fait on voit pas dans les vidéos. J'ai la flemme. On va décaler. Ah oui, mais le cadeau il est là. Il m'énerve. J'avais l'impression qu'il y avait ma mère qui était en train de rentrer, mais techniquement non. Déjà toi tu m'énerves. Voilà. Oui, mais donc on va décaler les trucs. J'analyse les sons en dessous pour voir si c'est pas ma mère justement qui est en train de rentrer. Elle m'a renvoyé un message techniquement. Ah, j'ai plein de paillettes, je me saoule. Tada! Le panda il va faire chou-chou. Ça, je n'ai rien à avoir à faire. Les petites bougies, c'est pareil si tu les allumes pas et surtout pas près d'un manga. Ça sert à rien. Donc là, on va dire techniquement que j'ai fini. Parce que j'ai envie de mettre ça. Voilà. Yep. Dans la tasse Naruto. Bon. Ah, il y a une pile dedans. D'accord, je sais même pas d'où elle vient cette pile, mais bon, tout va bien. Yep.
que je mets une boule de Noël. Est-ce que ça tiendrait? Est-ce que ça va faire de la merde? J'ai envie de l'accrocher en fait dans les bras de... Enfin, autour du cou, la corde d'une figurine de Miku, parce qu'elle a les bras comme ça, et elle a une tenue un peu hivernale, même si elle est en short, et je me dis qu'on pourrait avoir l'impression qu'elle balance la boule. Mais j'ai peur de faire de la merde. J'aime bien le contraste entre ce que je dis et ce que je fais des fois. J'ai peur de faire de la merde si je le fais, mais je le fais quand même. Tout va bien. Hop. Hop là. Ça peut donner un délire. On a l'impression qu'elle balance la balle. Est-ce qu'elle va tenir comme ça ou est-ce qu'elle va casser son gueule? Non, ça tient. Oh, ça tient. Ça tient. Oui. Ça tient. Miaou. Ça tient. Bon, ça fait très moche en fait. Ça fait moche. Oh non, je suis deg. Ça fait caca. C'est pas beau. Je me fais petit taper un délire. J'avais trouvé une bonne idée. C'est moche, mais en bas. Et je vais faire de la merde. Voilà, j'ai fait tomber le thé. Mais on s'en fout. Même si le thé de LGBT est très important à mes yeux. Mais, tant pis, c'était tombé. Regarde. Ah oh bah le cul aussi. LGBT, Q, I. Ah bah c'est I qui est mort aussi. Bon, bah. Rip pour les I, hein. Une plus petite boule, je pense. Ouais, mais j'ai des extrêmes. Celle-là pourrait être sympa, mais le problème c'est que j'ai pas de ficelle. J'ai pas de ficelle ici. Ça pourrait le faire. On va la laisser là, du coup. Voilà, hein. Ça pourrait le faire. J'ai encore un petit cadeau argenté, on va les mettre là. Tiens, hop. Hop là, ça fera l'affaire. Celle-là, boule de Noël, elle est trop belle, je trouve. Alors, je déteste en fait l'effet miroir sur les boules de Noël. Mais alors, le côté floqué, ça vous voyez, je trouve ça trop beau. Bon. Yo, je crois que c'est toi qui préférais les boules de Noël qui font disco. J'ai une boule de Noël disco. J'ai des petits trucs comme ça fait des petits sapins. Voici le pied. Un petit sapin entre Kurama et Yei. Voilà. Et un petit sapinou. Ici. Parce que sinon, c'est pas trop décoré par là. On va le mettre ici. Comme ça, on a l'impression qu'il tient tout seul, mais c'est pas vrai. On va piquer un petit tabouret. Une petite baballe bleue brillante par là, ça fera l'affaire. Et je voulais mettre un tabouret par ici. On va mettre voilà. Et ça, du coup, bah, je vais le mettre ici en attendant. Mais là, j'ai pas grand chose qui me plaît là-dedans.
c'est fait. Ça, techniquement, c'est que des guirlandes. Oui, mais ça, c'est pas pour tout de suite. Parce que j'ai, je sais plus où ils sont, là, les crochets qu'on met aux boules de Noël. L'an dernier, j'en avais en fait fixé un à la pâte à fixe sur le dessus de l'étagère. Et comme ça, après, ça tenait la guirlande pour qu'elle soit suspendue et qu'elle fasse toute la longueur, en fait. En gros, comme ça. Ça faisait joli. Mais j'ai pas les crochets et j'ai pas la pâte à fixe à côté de moi, donc ce sera pour un peu après. Je vais prendre celle-là, je pense. C'est des fourmis. Ouais. Oh, une argentée fourmi. Oui. Deux, et de toute façon, bah, il m'en faut que deux. Ça, je mets pas sur les extrémités, à part si je mettais peut-être des plus fines. C'est pas être l'huile. Je vais mettre les grosses fourmis au milieu. Et les plus petites. Oh, c'est. On part sur des moins fournis standard. Ou des moins fournis avec des étoiles. Parce que j'ai celle-là bon, qui est moins fournie en épaisseur avec des étoiles. Et en argenté, j'ai à peu près la même chose, mais avec ça. Comme ça. J'ai deux fois la argentée avec les étoiles comme ça. Et j'ai deux fois la bleue. Donc on peut partir sur ça. Avec les étoiles. Ouais, d'accord. Là, elle est trop trop belle. Et là, ça, je sais que c'est moi qui l'ai acheté celle-là. C'est dingue, le téléphone il fait aussitôt le focus. La caméra, il faut l'aider, il faut aller capricieuse. Dingue de faire la même chose. Pas le même matériel, donc pas le même comportement. Truc de dingue. Donc ça, sur le côté, je pense. Ah, le problème, ça va être Choto qui va nous faire chier. C'est les bleus. Et qui va être trop près des trucs bleus. On va te mettre ici. T'es loin de Tsuyu, mais bon. S'il y a un problème, après toujours télé. Alors ça, non. Ça me plaît pas trop celle-là. Là, elle est méga fournie. Celle-là moins. Ah, en fait, j'ai trouvé les deux mêmes en bleu et argenté. Donc c'est bon. Donc ça, ce sera les extrémités. Toi, tu dégages. Tu étais très belle, mais tu dégages. Et voilà. Donc ça, ça sera pour les extrémités des étagères. Ok. Ouais, c'est pas la même taille d'étoile. Ok, d'accord. Je vais prendre un vent. Vas-y. Tout va bien. Voilà, ça c'est fait. Oh, mal au dos. Petit coup de boisson, ça peut être bien. Je suis en train de me demander si je reste bloquée sur le bleu et argent. Parce que j'aimerais bien mettre ces deux trucs là. J'aimerais bien les mettre, mais c'est pas bleu et argent. Après, il y a deux cadeaux noir et argent, quoi. Donc, est-ce qu'on s'en tape? Est-ce qu'on on respecte? En attendant, je vais aller ranger ta... Ah, Wizard, coucou! Tu aurais te mettre dans la catégorie juste... Châtain au lieu de manga collection. Ben je savais pas, de toute façon moi tu sais c'est le deuxième live que je fais, le premier c'était tout à l'heure, donc je savais pas du tout quel mot mettre et tout ça, donc voilà. Alors pour les prochaines fois,
mais pas peut-être pas via téléphone. C'était un sapin qui est mort. Vous êtes mignons tous les deux. Alors ça, j'en étais sûre. Comme les figurines. Petit sapin, tout mignon. Le Luffy, par contre, il casse les... parce qu'il arrête pas de tomber, la tête elle est trop lourde. Je crois qu'il a chopé la grosse tête à force de faire des photos. Je blague, hein, bien entendu, mais c'est vrai que sa tête elle tient pas. Alors, où est-ce que je peux mettre des sapinous? Après, ça fait un peu trop chargé. Ou alors, j'enlève les peluches et je mets ailleurs. Peut-être enlever les peluches déjà, ça prend moins chargé. Parce que sinon ça va pas ressortir. Un petit sapin. Non, ça fait trop près. Je sais. Voilà. C'est le cadeau. On met ici. On laisse mon caddie. Très beau caddie. Non, c'est toujours le même. Ok. Là. La petite boîte aux lettres du Père Noël. Ah, là, il y a un nouveau truc. Tu vas mettre la guirlande pendue en hauteur. Oh, oui, alors. Les guirlandes comme ça. Sur la dernière planche en haut de l'étagère, en fait, j'avais mis des crochets de. Tu sais, de, qu'on met au, pour les boules de Noël. Je l'avais fixé avec la pâte à fixe l'an dernier et ça a tombé. En fait, ça faisait ça. Hop, comme ça. Et ça va pas jusqu'... Ouais, si, ça va jusqu'en bas en fait, parce que là, il y a un nœud. Ça va jusqu'en bas. Et celle-là, elle sera du coup là-bas. J'ai peur que ça fasse trop si j'en mets chaque coin. Et ça fera une là et après les autres. Là j'ai pas ma pâte à fixe donc je sais même plus où ils sont mes crochets. Je croyais les avoir laissés ici l'an dernier. Je sais pas, c'est là-haut. Non. Non, je les ai pas laissés là-haut. Je les avais laissés longtemps en plus. C'est ça qui est con. Boîte à lettres ici. Voilà. J'aimerais bien des fois faire des tout petits trucs, genre petites écharpes. Mais genre minuscule, toi, le petit truc. Pour rajouter des fois à certaines figurines. Genre pour Tsuyu, tu vois, lui rajouter une toute petite écharpe de Noël. Le truc tout minuscule. Ou alors avoir... Peut-être que j'ai le bonnet. Peut-être un peu trop grand, hein, Marc. À essayer, j'ai peut-être une idée. C'était ça.
C'est trop grand. Pas toutes, mais ça pourrait être drôle ça, sur certaines. Et c'est trop grand. C'était des trucs en fait où tu mettais les bouts des couverts dedans. C'est trop petit pour un panda. Tiens. Tiens. Moi, j'exagère rien. Tu peux les mettre sur les pandas. Ah, on a pensé à la même. On a eu la même idée. Ouais, mais. Ça fait un peu petit quand même, hein. Ils ont la grosse tête ou un truc comme ça. Non, par contre, sur le personnage de Hamtaro. Je sais même plus son nom à lui. Ouais, ça fait un peu bizarre. Si je mets les deux oreilles dedans, ça donne quoi? Ça va lui donner une tête chelou. Si je mets les deux oreilles dedans, ça fait une tête chelou. J'étais sûre. Le hamster, on va l'appeler comme ça. Ouais, voilà, le hamster. C'est pas si chelou que ça. Franchement, en plus avec son petit nœud, j'y avais pas pensé. Ça rend trop bien. Ouais. Allez, on va le mettre en déco du coup un peu plus, lui. Hop. Par là. T'as une petite touche de rouge. Bon, il y a la chaise qui vient. Voilà. Toi, tu vas me faire chier dans 5 minutes. Donc, autant recommencer. Est-ce que je tenterai pas sur la fille, la sœur principale dans les quintuplés? C'est faisable. Je vais en chercher d'autres. Super attention à cause de ses antennes. Non, ça pue la merde ça. Mettre sur la chaise, tant pis. Ça le fait? Ça le fait de ouf. Attends. Ah. T'es chiante, hein? Bon, ça fait un peu grand. Quoique, il y a des fois des gens qui prennent en XXL comme ça. Je dois en avoir une dizaine, quinzaine, vu que c'était pour les couverts pour du coup les repas. Donc je dois en avoir au moins à peu près dans les 15, un truc comme ça. Sinon, si tu veux, j'ai aussi les bonnets de Noël pour mettre sur les dos des chaises. Si tu veux. Mais là, je vois pas comment l'utiliser. On va mettre du coup Monsieur Hibou que je voulais mettre absolument, mais je sais pas où le mettre. Telle est la question. On va le mettre là et on va enlever Millie. Tant pis, tu as changé de place pour une fois, Millie. Tu n'as pas changé d'étagère depuis que je t'ai acheté, mais. Un changement de temps en temps, ça fait du bien. On enlève un petit peu la poussière. Ben, c'est que souvent les repas de Noël, on est quand même beaucoup, on était beaucoup, vu que maintenant il y a 2-3 personnes en moins qui ont. Voilà. Autant rire qu'en pleurer. Petit nettoyage des boobs. Ah voilà, t'es sur un autre socle. Ou c'était beaucoup en déco.
Là, c'est un peu vide, mais c'est pas grave. On va faire comme ça pour l'instant. Le petit nounours, on va le mettre là. On va enlever 2-3 batchs. On va le mettre comme ça. De toute façon, ça, c'est pas des mangas que je vais regarder prochainement. Là, les batchs, on va les descendre d'une étagère. Le petit nounours, on va même plutôt le mettre ici. C'est là-bas comme on voit très rarement les étagères. On s'en fout un petit peu, ce sont moins décorés. Serveur, ok. Aimer Noël pour avoir autant de déco. Faut avoir une maman qui aime Noël pour avoir autant de déco. Et j'aime pas Noël, mais j'adore la déco. Parce que ça brille, ou il y a des petits trucs comme ça. Mais sinon, je n'aime pas Noël. C'est ça le pire. On me l'a gâché. Honnêtement, on me l'a détruit enfant, donc... Je sais pas si t'as vu Wizard, mon dernier achat de mardi, je crois, on était le 9. De déco, bah parce que quand je vais faire mes vidéos pour la fin d'année, ça fera plus joli, tout simplement, comme j'ai mis la décoration pour Halloween. J'avais fait, je crois, un temps des décos de Saint-Valentin, mais j'en ai pas tant que ça pour faire une déco à l'arrière. Et puis ça brille, il y a plein de trucs qui brillent, c'est ça que j'aime, moi. C'est pas Noël que j'aime, c'est les trucs qui brillent. Et sinon, moi, j'ai on le voit dans les calendriers de l'Avent, j'ai un rebord de fenêtre. Où je décorais aussi un temps quand j'avais le temps. Je décorais pour la Saint-Valentin, pour Pâques, pour l'été, il y avait quoi d'autre? Il y a quoi d'autre dans l'année? Je crois que j'avais fait un truc spécial Coupe du Monde et tout ça, alors j'en ai rien à foutre du foot en fait. Voilà. Et ça, si jamais, il y a aussi ce Mickey et je crois qu'il y a Mimi, comme ça. Ça fera plus joli pour les vidéos, c'est tout. Voilà, j'aime bien décorer pour les vidéos. Alors, j'ai encore un sapin. La luche, je vais peut-être la garder pour la chambre. Petit bonhomme blanc. Après, il y a ce genre de merde-là que j'aime bien. Toi, je trouve ça joli. Ça ou les deux nounours là-bas. Là-bas, c'est pas trop de décorer Noël. Soit c'est moi, soit il y a ma mère qui est rentrée. Là, ça me suffit, je dirais. Après, là, de toute façon, tu sais, regarde en bas, on voit pas. Je mets pas très clairement. On voit pas, je mets pas. C'est rentré. Je croyais qu'il y avait quelqu'un à la maison, il y a vraiment personne. Tout va bien. Mon petit chat noir qui va changer de côté. Ils sont bras bas plus bas.
Quand tu fais des live présentations, tu es assis alors? Non. En vidéo, les présentations YouTube, non, je suis debout et je suis ici en fait. Je suis debout. Je suis jamais assis. Enfin, à part les vidéos plus posées que j'en ai filmé très très peu, style story time. Enfin, story time, récap en fait le pourquoi et tout ça, la convention de Pau. J'ai pas encore filmé la story time de Animasia. Et puis de toute façon, c'est ici, je m'assois là en fait. Et je fais comme ça. Donc on voit ça et on voit normalement jusqu'à l'étagère du coup au grand air où j'ai mis du coup un petit nounours ici. Et techniquement on voit là le Hamtaro avec son bonnet et le petit sapin qui est entre Kurama et Iei. Et oui, c'est pour ça que je décore pas en bas. Parce que je n'aime pas Noël, que je ne vois pas l'intérêt et que j'ai aussi la flemme, très clairement. Après, ça fait bizarre parce qu'il y a du bleu, de l'argenté, du rouge et un peu d'or, ça, sur mes cadeaux, mais. On va mettre un petit cadeau là pour les enfants de The Promised Neverland. Pas spécialement, mais tant pis, je vais. T'aimes Tsuyu, t'auras un cadeau. Parce que je t'aime bien, Tsuyu. Enfin, c'est pas que je t'aime bien, je t'aime. Voilà. Tu sais, même je vais te dire un truc. C'est comme toutes les youtubeuses beauté. On croit tous qu'elles sont habillées et compagnie. En fait, elles sont toujours habillées que en haut. En bas, c'est en pantalon de pyjama, très souvent. Ou alors en pantalon de survêtement. Elles vous arnaquent, les youtubeuses beauté. Et ça elles l'ont tout dit hein, dans les vidéos autrefois. Et moi aussi. Tu crois que je m'habille en gravure de mode dans mes lives? Oui, ça, oui, non, mais voilà, mon live encore, tu vois, c'est en mode plus chill. Mais les youtubeuses beauté, quand elles faisaient leurs vidéos dans leur chambre ou même maintenant avec leur décor, elles savent le dire, hein, que elles arnaquent et compagnie là-dessus. Donc, moi, je fais la même chose avec mon fond. Là aujourd'hui, hein, je suis habillée en dessous. C'est juste que ça tient chaud. Assez honnêtement, cette pièce n'est absolument pas chauffée et elle est à l'opposé de la cheminée. La cheminée n'est pas du tout mise au milieu de la maison ni rien du tout, donc forcément très 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 compliqué. Et donc là, il n'y a pas jamais de chauffage. C'est pour ça que souvent dans certaines vidéos en hiver, je passe mon temps limite à renifler. D'ailleurs, je suis tout rouge parce que justement j'ai froid. Non, c'est pas du tout une chambre. C'est une salle de sport à la base. Il y a un vélo à côté où je pose souvent mes affaires à côté de moi. Quand je filme, le trépied est au-dessus de mon tapis de marche. Donc voilà.
Non, ma chambre, elle est rose et bleue. Et la chambre qui est à côté, où c'était celle pour mon cousin Nico, rien à voir, ouais. Et la pièce qui était juste à côté où je filmais avant, c'était la chambre de Nico avec le fond blanc. Donc rien à voir, ouais. Mais je les avais mis dans une pièce où c'était trop dangereux pour eux au niveau du chauffage, etc. Donc j'ai décidé de les déplacer à l'opposé, puis là où je pouvais stocker. Puis justement, j'aime pas Noël, l'étagère derrière où il y a la collection Halloween, ça reste de la déco d'Halloween. On me la verra jamais. À part pour un live où il faut que je regarde du coup par rapport à l'augmentation des prix. Techniquement, on ne la verra pas pendant la période de Noël, donc il n'y a pas besoin de la décorer. Eh ouais. Oui, si, je ne sais pas si on le verra vraiment. Non, on ne le verra pas. Il y a même là une machine qui est à côté, c'est celle où à chaque fois on aperçoit en fait le tableau, je ne sais même plus où je l'ai posé, le tableau de Panda, qu'on l'aperçoit en tout petit bout sur un côté de ma vidéo. Mais il est par-dessus une machine de sport qui est repliée, parce qu'elle se replie. Bah, je pense qu'en fait que j'ai fait le tour, parce que très clairement, là, côté pile à lire, je vais pas spécialement la montrer pour les prochaines vidéos. Donc elle est décorée sans être décorée. Et là, bah, j'ai fait le... Allez, pas minimum syndical, mais ce qui suffit, en fait, ce qu'il faut. Voilà, la chaise, vous puissiez bien voir, je sais pas si on voit très très bien. Mais ça devrait le faire. Attends, je vais juste déplacer là. Faire comme si je filmais. Ça me permettra de voir. Non, d'habitude je filme pas là. Voilà, à peu près comme ça. Techniquement, c'est bon. En fait, j'ai même pas besoin non plus de décorer l'étagère du haut quasiment parce qu'on ne voit pas. C'est trop bien, tu peux lire et faire du sport en même temps. Ou plutôt faire du sport et regarder un DVD. Ça oui. Parce que lire et faire du sport en même temps, je sais pas faire. Mais regarder un DVD, ça je fais. Je regarde un animé ou un film en même temps. Je voulais un tout petit peu décorer sur le côté, mais je vois pas ce que je peux faire de plus. Si, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais mettre ça là. Un petit tabouret en vrai, mettre là. Ça prend un peu plus de couleur et de trucs par là. Et je vais mettre là. Ah, elle rentre pas, elle a trop grosse tête. Aussi, ouais. Juste un air. Elle a perdu son bonnet, cette grognasse. Elle est tout perdre. J'en ai chié pour te le foutre et là tu vas me casser les. Voilà. Comme ça, on la verra dans les vidéos. Ça fait pas très sérieux, donc on va rester comme ça. Et voilà. Et techniquement, si je fais mes vidéos YouTube, on voit tout. C'est bon. Alors attends. J'ai ce bestiau-là. On va mettre ça derrière. C'est le Canon 77D EOS plus un micro Rode, le Pro, pas le Go, parce que le Go au niveau de la, on voit la différence en fait quand les gens l'ont le Go, parce que ici là les petits machins c'est rouge. Je suis en train de faire de la merde en même temps. Et très clairement, je trouve que la qualité du son pour pas grand chose en différence de prix, voilà. Voilà.
Après, j'ai fait une vidéo, si tu veux, je te la passerai si tu me dis, hein, si tu la veux. J'ai fait une vidéo sur la chaîne EB World où je parlais de tout mon matériel, justement, que j'ai, l'évolution que j'ai eue au niveau du matos et tout ça. Et ça, en même temps, je l'utilise aussi parce que je fais des photos des fois pour les mariages, etc., dans mon village, ou par exemple le 14 juillet, la fête au village, avec la course sportive, les 11 novembre, tout ça. Bon, là, aujourd'hui, non, il n'y avait pas besoin, en fait. Mais en plus, mes photos, elles atterrissent dans le journal du coin, donc voilà. Il y a eu aussi pour la fête de l'UNC, l'Union des anciens combattants, des trucs comme ça. Donc, et ça pour les deux. Et pour YouTube, et pour les vacances, et pour Journal du coin, plus les photos même pour les villages autour. Ils font des événements. Quelque chose qui était magnifique. Voilà, c'est tout en ce qui concerne le live. On a décoré, il restera plus qu'à faire les petites dernières retouches après. J'espère que le live vous aura plu. À bientôt. Et on éteint ici. Mettre fin en stop.